Et voilà comment ces gredins ont réussi à me vaincre. Ah ah ah, une chose est sûre, ils sont forts, très forts. Peut-être même assez pour déjouer la prophétie. Le comte Niark n'a que faire de tes doutes. L'Opus Luminus n'est que supercherie. Grâce à l'Opus Ténébreux, je sais comment éliminer les héros qui se dressent contre nous. Ma parole, je ne savais rien de ce prodige. Expliquez-moi tout. Nyahahaha, en temps voulu, Dimensio. En temps voulu. Oh, Nastasia, il est temps d'envoyer tu sais qui en mission. Oui, je m'en occupe, monsieur le comte. Excellent, s'exclame le comte Niark. Retournez à vos postes, mes très chers sbires. À vos ordres, comte. Gloire à Niark! Quelque chose ne va pas, Anastasia. Oui, comte, vous savez, il n'est pas trop tard. Vous pouvez encore renoncer. Assez, Anastasia. Nous sommes arrivés jusqu'ici et nous allons continuer. Mais rien ne t'oblige à rester auprès du comte Niark. Tu es libre de partir. Ça, jamais, monsieur le comte. Je vous ai juré fidélité. Et ça depuis le jour où vous m'avez sauvé. Je resterai à vos côtés jusqu'au game over, ok? Comme il te plaira. Eh bien, intéressant. Nastasia et le comte ont de grandes conversations. À quoi joue notre cher comte? Oh, peu importe, c'est son problème et j'ai d'autres chats à fouetter. C'était un peu bizarre par moments, mais nous en sommes plutôt bien sortis. Je suis désolé, tout est de ma faute. Et vous m'avez... Merci infiniment. Pff, tu veux me remercier, moustique? Alors ne reste pas dans mes pattes, pigé! Maintenant que j'y pense, Bowser, se pourrait-il que tu sois notre troisième héros? Ah super, ça va ficher en l'air complètement son CV. Oh oh! Je vous attendais, jeune héros. Votre quête du cœur pur a-t-elle été fructueuse? Au prix de nombreux efforts. Fascinant! Alors, le cœur pur est apparu au moment même où vous avez sauvé Tipeee. Comme c'est intéressant. J'imagine que ce château appartenait jadis aux anciens dont je vous ai parlé. Ils ont dû errer aux quatre coins du monde. Non, des mondes. Au cours de leur voyage dimensionnel. Dans le château derrière la grande mer, un cœur pur est caché et scellé. Merci de nous le dire maintenant. Oui, je me souviens avoir lu ce passage dans l'Opus Luminus. Le sceau ne peut être brisé que par un puissant sentiment d'amour et de confiance. Ou un Deus Ex Machina. Alors, ce serait la confiance de Tipeee qui nous aurait permis de trouver ce cœur pur. C'est incroyable. Et maintenant, nous avons trois héros, ho ho. J'ignore qui est le dernier et vous devez vous mettre à sa recherche sans tarder. Nah, il viendra tout seul. Bah, maintenant que je suis là, vous n'avez besoin de personne d'autre, sérieux! Croyez-moi, si vous avez un problème, montre le bout de son nez, je l'écrase, je le Bowserise! Oh oh, fort bien, monsieur Bowser. Puise votre force pour ces jours. Oh, il semble que le vortex soit à nouveau agrandi. Le temps joue contre nous. Nous devons continuer, mettons-nous à la recherche du prochain pilier cœur. Je dois moi-même m'atteler à certaines tâches. Je vais éplucher les pages de l'Opus Luminus à la recherche du moindre indice de valeur. Et il s'en va. Et moi je repars au 3.
Et maintenant, il me donne le menu me permettant de sélectionner le chapitre. Mais si vous n'avez pas terminé le chapitre, ça ne me les propose pas. C'est nul. Mais bon. Chapitre 3, hein, blablabla. Oh là là, tu veux que je répète mes 3 conseils suite de demander? Qu'est-ce que j'en ai à faire? J'ai pas besoin de tes stupides conseils, ok? Aucun conseil? Impossible. Tu as battu Francis? Oh là là, il faut que je me calme. C'est une nouvelle géniale! Je suis content d'avoir aidé dans cette dangereuse mission d'infiltration. Alors, je crois que je n'ai plus besoin de rester ici à dispenser mes conseils. J'ai fait mon travail, je n'ai plus rien à faire maintenant. Et si je venais avec toi? Oui, c'est jouer avec toi, que tu veux ou non. Et en retournant lui parler, puisqu'il nous avait demandé de revenir si on parvenait à réussir notre périple, nous récupérons Picou le pixel pointu. Celui-ci est... pas spécialement si extraordinaire. Globalement, voilà, en l'activant, vous allez faire une... enfin, c'est une attaque complémentaire, quoi, tout simplement. Une toupie à pic qui peut infliger du dégât. C'est... utile. J'ai... très rarement utilisé Picou, principalement parce que c'est... alors, il est facile à rater, il est complètement optionnel, et en général, vous serez en train de passer d'un pixel à l'autre pour, ben, faire des actions dans le monde et avancer, etc. Vous allez pas vous embêter avec ce genre de truc. Mais bon, bref, peu importe. Je me débarrasse de ça, je sais... j'imagine que ça faisait juste des légers dégâts. J'aurais peut-être dû l'utiliser plus tard, mais c'est pas très important. Donc déjà, on va repasser sur Mario, parce que ça sera mieux. Ensuite, on va passer sur Transpod, parce que ça sera beaucoup mieux. Et on va accélérer légèrement le mouvement. Oui, je sais, c'est très utile de passer dessus pour les 3 packs qui manquaient. Mais bon. Donc on a un peu de cuisine qu'on va essayer de faire. Pas de la grande cuisine, donc... ouais, mais bon. Je vais ce que je peux. À ce niveau, disons qu'on n'a pas beaucoup d'ingrédients disponibles, on peut pas vraiment aller loin, donc ouais. Bonjour, oui si tu veux. Alors déjà je veux déposer... je vais déposer le rock glass, puisqu'on a déjà fait une recette avec et il pourrait être plus utile plus tard. Et on va aller acheter du chose. Acheter. Donc... non, ça c'est ce qui est... Non. Retirer. Qu'est-ce que je veux retirer? Je veux retirer ce champi. Et j'ai une carapace, je sais plus s'il y a quelque chose que je peux faire avec une carapace tout seul. J'ai récupéré la liste des recettes par principe. Et la réponse est non, rien que je vais faire. Youhou. Ça va être très coûteux, ça va être très 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 lourdingue. Parce que la majorité des recettes vont réclamer des objets qui soit s'achètent, soit se récupèrent en dégommant des ennemis. Et ben, surprise, surprise, la majorité, enfin voilà quoi. On va prendre un... On va s'acheter un autre champi. Soda, chose. Pour que j'ai au moins de quoi... me soigner. Et on va aller faire un tout petit peu de cuisine. Et aussi, je crois pas avoir fait mon introduction, donc bonjour tout le monde, ici GA2, et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Super Paper Mario. Dans le présent épisode, nous avons vaincu Francis avant Francis, et... récupéré un autre cœur pur, et dans cet épisode, on va faire un peu de cuisine, puis se mettre à la recherche du pilier cœur. Cuisine. Voilà. C'est un peu tard pour faire l'intro, mais... pas très important. Blablabla. Donc, nous avons quelques nouvelles recettes. Donc, déjà, la première est en lui donnant la foudre. Parce que, après tout, pourquoi pas. Autant en profiter tant qu'il y a tant que j'ai les ingrédients, quoi. C'est prêt. Et nous obtenons un électro-bonbon qui nous donne une électrocution temporaire. Rien de surprenant. L'autre, aussi stupide qu'elle puisse paraître, c'est en lui donnant le lingot.
Et, sauf erreur, ceci est, ben, justement une erreur. Mais c'est une recette, donc il faut que je la fasse. Globalement, lui donner le lingot ne sert absolument à rien et vous est détrimental. Parce que, voilà. Rends un PC et soigne le poison. Et le truc, c'est que, sauf erreur de ma part, si vous vendez un lingot, vous pouvez le vendre 100 pièces. Mais si vous cuisinez ce truc puis que vous le vendez, il rapportera moins. Alors je vais aller le vendre parce que techniquement ce lingot je l'ai récupéré je sais plus où. Donc ça reste du pognon gratos. Mais si vous vous dites ah je vais acheter des lingots puis les cuisiner. Bah je sais pas, peut-être que c'était prévu pour. Peut-être que l'idée c'était de vous dire si vous pensez être plus malin, eh ben non. Mais voilà, ça reste une recette, donc... Ouais, allez, plus vite. J'aurais pu couper, mais j'estimais que j'étais en plein milieu d'une explication, donc ça passerait. Et puis, c'est pas si long que ça. Voilà, au moins j'ai un peu de soin. Et c'est déjà pas mal. L'électro-bonbon, je vais aller le stocker, bien entendu. On n'a aucune raison particulière de le garder. Je compte pas m'en servir, parce que techniquement, j'ai Picou qui fait... à peu près la même chose, c'est pas tout le temps, et... En plus, ça manuelerait... En plus, je pense que ça rebooste carrément les ennemis, là où l'électro-bonbon fait juste que si un ennemi me touche, je lui inflige des dégâts en retour, mais je prends quand même les dégâts dans la face. Donc déjà, on va vendre, et... Le plat à 24 carats vaut désormais que 50. C'est un peu... Voilà, donc... C'est pas la tragique tragédie de... Tragédie grecque, qu'est-ce que j'en sais. Mais ça pue un peu quand même. Parce que sincèrement, ouais, vous venez de transformer 100 pièces en 50. Si au moins ça avait un intérêt autre... Enfin, si ça pouvait vous soigner beaucoup du... J'en sais rien, ça serait pas un problème. Mais bien entendu, ça l'est. Donc. Maintenant, on va redescendre. On va faire un petit arrêt chez... Chez le vendeur ambulant, au cas où il est quelque chose d'intéressant à vendre. En particulier des ingrédients, en fait, parce que... À nouveau, un certain nombre d'ingrédients seront obtenus en tuant des ennemis. Et comme je l'ai déjà dit, mon objectif n'est pas de farmer. Ce qui signifie qu'un bon nombre de recettes seront explorées en post-game. Parce que, au moment où je dirais, voilà, c'est la fin de l'aventure, je peux aller trucider du méchant à volonté. Donc, si je peux essayer d'en réussir... Si je peux réussir à en récupérer auprès de lui, ça peut être pas mal. Parce qu'il vend un peu tout et n'importe quoi. Alors, déjà, il vend de la... Il vend Rolopix, qui est nul. Calamar pressé, ça... Oh, il vend plein de trucs utiles. Alors, Méga Champi est pas du tout valable. Parce qu'on peut normalement en acheter pour moins. Mais, sauf erreur, le... Calamar pressé. Ouais. Donc on a du bon là. Je vais claquer du pognon. Donc déjà, on va acheter la poudre à gâteau. Non, reviens ici, espèce de... On va acheter plein de trucs. Je vais me ruiner. Mais d'un autre côté, c'est pas nécessairement plus mal. Parce que ça sert à rien de garder trop d'argent sur vous-même. Donc, ouais. Mes champignons, est-ce que ça a la moindre intérêt que j'en ai plusieurs? Parce que j'en ai un déjà. Et c'est utilisé dans au moins une recette. Mais j'ai l'impression que c'est utilisé dans une seule. Donc, comme j'en ai un, ça sert à rien que je grille autant de pognon pour ça. Donc, je pense qu'on va juste acheter ces trois-là. Et ensuite, on va aller les cuisiner. Pour ce qui est du... Ben, ce qui est pas plus mal. Alors, bien sûr, les spaghettis, comme j'en ai deux, il y en a un que je vais stocker, mais vous voyez l'idée. En admettant que, bien entendu, le spaghetti puisse se faire tout seul, mais il me semble... Bref, pas important. Et du calamar pressé. Ah bah, comme ça, au moins, ça me fera 10 thèmes de soins, au final. Enfin, j'imagine. Ah oui. Je sais plus trop où il faut aller, puisque les deux chapitres... Enfin, le chapitre qu'on a fait nous a pas donné vraiment de nouveaux... Ah si, on a eu poids lourd. Donc oui, si, je vois où on doit aller.
J'avais oublié Poilor. Bah en fait, on vient de récupérer dans ce chapitre 3 pixels différents, si on compte Picou. On a eu Poilor, Transpot et, ben, Picou. Donc ça fait quand même beaucoup d'un coup. Mais Transpot, d'un autre côté, est plus là pour le principe utilitaire que vraiment parce que... voilà. Mais j'imagine qu'il devait estimer que le mettre en... secondaire était trop moche. J'aurais pas dû remonter. Ah bref, peu importe, c'est un épisode détente. C'est un épisode où je fais rien d'utile. Je veux dire comme 90% du temps. Mais j'ai dit que je voulais montrer au moins la cuisine et c'est donc ben, ce que je suis en train de faire. Mazance, ben grave. Wouhou. Donc, comme première recette, bien entendu, on va balancer la poudre à gâteau. Parce que c'est classique. Poudre à gâteau. Normalement, dans les anciens Paper Mario, c'est donné du bavarois, mais ils ont complètement changé ça pour une raison quelconque. Mais, peu importe. Je ne suis pas là pour poser des questions, je suis là pour faire les recettes. Donc, trio de sablé rend 10 PC et soigne le poison, ce qui est l'équivalent d'un simple soda chantilly, donc c'est nul. Le spaghetti tout seul. Qu'on essaye de liquider littéralement toutes les recettes solo le plus vite possible. Bien sûr, c'est compliqué, mais bon. Rend 15 PC et soigne du poison, ce qui est l'équivalent à nouveau d'un champignon, mais en cuisiné, la prêle. J'espère pas m'être tenté, mais il me semble bien que la prêle toute seule, ça donne quelque chose, oui. Je suis pas totalement sûr de ce que c'est, la prêle. Mais bon. Passons. 10 PC et soigne du poisson. Du poisson. Exactement, ça vous protège contre les chip-chip. C'est un peu triste qu'il n'y ait pas beaucoup d'originalité, mais bon. Bah, c'est beaucoup de soigne YPC et du poison, avec pas des grosses valeurs. Ce qui, à nouveau, est un problème, parce que ça réduit l'intérêt de la cuisine, parce que dans les Paper Mario d'avant, il y avait plein d'effets différents, c'était drôle. Vous voyez, c'est littéralement toujours les mêmes effets, c'est un peu le problème, quoi. 15 PC soigne du poison, 10 PC soigne du poison, 15 PC soigne du poison, 10 PC soigne du poison, 5 PC... Je sais pas pourquoi tout soigne du poison aussi, mais... Bon, y a pas beaucoup d'ennemis qui empoisonnent, et ils avaient dû se dire que ce serait utile. Je sais pas. Bon, je vais pas tout garder, bien entendu, hein, parce que... l'objectif, c'est pas d'avoir 15 objets de soins et... Vas-y que je sais... Enfin, vas-y que je suis obligé d'en jeter parce qu'au final, j'en ai pas besoin d'autant, mais... Ça a l'avantage de me donner de quoi me soigner si je me retrouve dans une situation comme la dernière fois où... Bonjour. Donc on va déposer, bien entendu, le spaghetti. Donc ça sert à rien que j'achète le champi-free, mais je pouvais pas prévoir que Mister... Mister me propose autant d'objets de soins. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Toi, sauf erreur, tu vends rien qui m'intéresse réellement, n'est-ce pas? Soda, champi-récube, je crois qu'il sert pas tout seul. Champi-vine, non. Flamme ardente, on l'a déjà fait. Toi, on t'a fait. Vous savez... Ouais, c'est bon. Voilà. Bien, ben au moins, nous sommes préparés. On a 4 objets de soins sur le papier, même si dans la réalité, je considère qu'on en a juste un. Et en fait, je voulais pas ça. Je suis très organisé, je sais. Donc, nous allons remonter, bien entendu. Et on va essayer de s'occuper du pilier cœur, parce qu'il me semble que le prochain n'est pas particulièrement planqué, du tout. Donc, l'avantage, c'est que je vais pouvoir le récupérer idéalement plutôt vite, et on pourra... passer à complètement autre chose. Genre, le prochain chapitre. Voilà. Sauf que nous ne voulons pas aller par là. Nous voulons aller par ici. Et nous voulons passer sur Poilor.
Parce que, donc, si... Bon, attendez, déjà le plus simple... C'est de tous les remonter, c'est exactement la même énigme quand on était au fond de l'océan, donc il y a très peu de raisons de se poser de questions. Vous passez en 3D pour voir dans quel... Enfin, leur état, si jamais vous en avez aucune idée, vous pouvez vous contenter de juste tester toutes les combinaisons possibles. Ce n'est pas ce que je considérerais comme une bonne idée, mais libre à vous. J'ai pas ouvert ce tuyau là-bas. Et on va y passer brièvement. Bref, et voilà le prochain pilier cœur. Je vous avais dit, celui-ci est très rapide. J'avais un mini trou de mémoire, mais... Bah, je me suis souvenu de qui on avait eu, donc... Rapide. Et en mettant le cœur vert, ce qui est plutôt bizarre, puisque c'est Bowser qu'on a récupéré, mais bon... Nous ouvrons la prochaine porte, laquelle est, comme on peut facilement sauter, verte. Je me demande si ça symbolise quelque chose. Je me demande où est notre prochain personnage. Ah, 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 ah. Ouais. Merci, merci Poilourd, tu peux te casser et me rendre le meilleur pixel du jeu par le principe qu'il nous permet d'aller vite. Pas si vite que ça, bien entendu, mais... Je prends ce qu'on me donne. Je pensais m'en être occupé, c'est bizarre, mais... J'aime vraiment pas ce système de vous devez avoir suffisamment d'élan pour faire les sauts, etc. Je trouve pas ça utile ou nécessaire. Et je crois pas que ce soit quelque chose qui soit souvent présent dans les anciens jeux Mario, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah oui, il y a le bloc musique. J'étais venu, non, alors? Et ben, je suis fou ou juste complètement fou? Ouais. J'avais zappé de vérifier ça. Parce qu'il me semble bien qu'il y a quelque chose que vous pouvez obtenir dans la zone. C'est... pas quelque chose, je sais même plus à quoi ça sert exactement, parce que je m'en suis peu servi. Et il me semble que c'est un rapport avec l'espèce d'écran de DS qui se trouve chez Saffron. Mais je ne peux pas dire que je m'en sois jamais beaucoup préoccupé. Je sais même plus que c'est en général... À nouveau, je veux pas me montrer désagréable ou trop cracher sur ce jeu, mais l'un des inconvénients, c'est que les trucs optionnels... qui s'y trouve. Une carte recette. Sont... selon moi, en général, vachement... bouche-trou. J'adorais la cuisine dans Paper Mario, les normaux, parce que ça fournit vraiment un petit plus. Et comme c'est du tour par tour, c'est souvent sympathique d'avoir des trucs plus efficaces. Et c'est vraiment fun d'un peu tout mélanger après. Mais dans celui-ci, le fait de se soigner a peu d'utilité réelle. Il n'y a pas autant de diversité au niveau... Il y a beaucoup de recettes. Le problème, c'est que la majorité d'entre elles sont... toutes avec les mêmes effets. Donc c'est un peu nul. Pourquoi s'embêter à cuisiner le plat de pâtes quand on pouvait acheter un champignon? Peut-être parce que c'est moins cher, à la limite. Mais c'est pas comme si vous avez besoin de soins constamment. Dans une partie normale, du moins. Bon. Bienvenue, gourmet, vous êtes dans la base de données du distributeur de saveurs. C'est le distributeur, la liste des petits plats, donne un plan pour les ingrédients rares, il ne contient pas, tu peux le mettre à jour. Les cartes recettes. Donc, les cartes recettes 2, oui. Je sais même pas où se trouve la 1. Donc, ça nous donne une liste des recettes. Donc ça nous dit, ah bah oui, ça nous dit par exemple, voilà. En fait, c'est littéralement juste un inventaire des différentes des différents objets pour vous dire comment vous pouvez les fabriquer. Ou quand c'est juste un objet, où est-ce que vous pouvez les trouver. Genre par exemple, voilà, disponible à recto, disponible à recto, disponible à recto, disponible à la ville d'antan.
en dégommant des Koopas, en dégommant des Bloops, vous voyez l'idée. Bah, moi, ça m'est pas nécessaire. J'ai récupéré la liste des recettes, j'ai récupéré la liste des... Enfin, pas la liste des ingrédients, mais je me suis noté où se trouvent les différents trucs, même si j'ai moins noté qu'est-ce qui en lâche, et plus où est-ce qu'on peut les acheter, puisque bien entendu, je ne compte pas aller farmer les ennemis pour obtenir des ingrédients de cuisine. Ça va un peu à l'encontre de mon objectif initial. Cependant, ben, je trouve que c'est déjà pas mal. On a fait plein de recettes de cuisine et on a trouvé le pilaker, ce qui a pris genre 1 minute 30. Ce qui ne dérange pas. Et je pense que ben, dans le prochain épisode, nous allons pouvoir nous en aller dans le prochain chapitre. Donc d'ici là, ciao.